Bonsoir à tous. Merci d'être venu assister à cette conférence à plusieurs voix, organisée, co-organisée par l'IMA, les rendez-vous de l'histoire du monde arabe, mais je crois que ça a un petit peu à voir, et aussi par la chaire nouvelle créée à l'université de Paris 1 qui s'appelle Sorbonne Université. Alors le responsable, Sorbonne Méditerranée, pardon, Maghreb Méditerranée, n'ayons pas peur des mots. Et donc cette chaire a été suggérée il y a un an maintenant à l'université de Paris 1 par le président Khaled Sepsi quand on lui a remis au titre de son œuvre et de l'œuvre des Tunisiens en réalité. Une médaille de docteur honoris causa de l'université de Paris 1, comme c'est dans la tradition de l'université de Paris 1 depuis plusieurs décennies, de remettre c'est pas le bon mot, décoration, mais de remettre cet honneur à des combattants de la démocratisation de leur société. Au-delà de sa personne, alors il se trouve que lui en plus avait été dans sa jeunesse étudiant en droit à l'université de la Sorbonne, il se trouve que il l'a reçu au nom bien sûr des Tunisiens et du processus politique qui s'est déroulé dans ce pays. Donc il avait suggéré cela et nous-mêmes on est à Paris 1 un groupe assez important d'universitaires, dont vous en avez trois ici sur l'estrade. Travaillons sur le Maghreb et qui essayons depuis plusieurs années de fédérer nos efforts. Et cette chaire, elle a pour objectif, c'est pas un poste de prof, c'est pas un laboratoire, c'est pas un cursus, c'est simplement une petite agence de moyens à l'intérieur de l'université de Paris 1 pour promouvoir la coopération, pour promouvoir des conférences ou des colloques. Et donc aujourd'hui, c'est la première manifestation à laquelle on remercie bien sûr l'IMA et les rendez-vous de l'histoire du monde arabe de s'être associés. Alors, à tout seigneur, tout honneur, la Tunisie et son processus politique incroyable auquel elle nous a donné d'assister depuis 2011. Et pour en parler, des collègues tunisiens et français qui sont des spécialistes à un titre ou à un autre, dans telle ou telle discipline, des questions qui se posent à la Tunisie d'aujourd'hui. Alors, j'excuse Karima Diresh, qui est la directrice de l'IRMC à Tunis, et qui, pour des raisons de service, de fonctionnaires, les fonctionnaires, ça fonctionne, mais il faut qu'ils obéissent, et donc aujourd'hui, elle ne peut pas être parmi nous. Alors, parmi nous, je vais commencer à ma gauche, je ne commence pas par les dames, je commence par Aziz Krishen, qui a un parcours de sociologue et d'intellectuel dont vous avez dû lire des ouvrages. Ça fait longtemps qu'il écrit des choses remarquables sur la Tunisie. Il a été, au moment après la transition politique, il a été conseiller à la présidence de la République et il a présenté dans un livre qui vient de sortir à Tunis et dont on parle beaucoup et dont évidemment il y a quelques exemplaires ici présents, mais ce n'est pas des exemplaires que vous trouverez en grand nombre. C'est une qualité très rare, je vous le dis pour la suite. Parce que c'est un livre publié à Tunis et on ambitionne, nous, de le coéditer aux publications de l'Université de Paris 1 dans les semaines qui viennent. Alors, j'ose pas lui dire les mois parce qu'il y a un temps de la publication universitaire qui est presque aussi lent que le temps géologique. Donc, j'espère quand même qu'on arrivera à le faire avant la fin de l'année. Mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu désespérant. En tout cas, ce livre existe, il fait beaucoup parler en Tunisie parce qu'il retranscrit son expérience de conseiller politique, d'abord sa vision sur le temps long de l'histoire politique de la Tunisie, sa vision sur la révolution, sur le processus politique et social à l'œuvre, et évidemment, il va nous en parler tout à l'heure. À ma droite, Kmar Bendana, qui est une historienne de l'Institut... Alors, il y a eu plusieurs instituts, il y a eu l'histoire...
l'Institut supérieur d'histoire du mouvement national, il y a eu l'Université de la Manouba et actuellement l'Institut d'histoire de la Tunisie contemporaine, avec qui on peut dire qu'on travaille depuis au moins 20 ans, de loin en loin, mais quand même. Et qui a été une des premières... alors d'abord, elle est intervenue beaucoup au lendemain de la révolution tunisienne dans les médias tunisiens. Elle a fait un... Elle a publié en Tunisie des textes très intéressants sur la manière dont cette... et elle va nous en parler d'ailleurs, dans cette révolution est apparue comme un processus à la fois très excitant, au sens noble du terme, très stimulant et en même temps un processus incroyable, et comment l'historien à chaud peut analyser ces événements, les vivre et les traduire ou essayer de les interpréter. Hein. On dit souvent qu'il faut attendre que les choses mûrissent, qu'il faut attendre les archives de l'État, donc dans 30 ans... on ne sera plus là, malheureusement, pour voir les archives de la Révolution tunisienne. Et donc, elle, en tant qu'historienne du temps présent, elle s'est intéressée à ces questions très politiques, très brûlantes, qu'il était impossible d'analyser à l'époque de la présidence de notre ancienne amie Ben Ali. Khadija Mohsen Finan, politologue, actuellement rattachée à la Sorbonne et à notre laboratoire, à l'IMAF, qui donne des cours à nos étudiants sur le Maghreb et le monde arabe contemporain, auteur de nombreux ouvrages. Elle a une carrière qu'elle a faite pendant un certain temps à l'IFRI, dans un certain nombre d'organismes de recherche ou de promotion de la recherche, dans des universités. Elle a donné des cours très longtemps à Sciences Po. Elle a été très, très proche de pas assistante, mais en tout cas, tu donnais des cours quand Rémi Levaux, notamment... qui a été ton directeur de thèse, dirigeait le DEA de Sciences Po. Et ces ouvrages questionnent le monde arabe contemporain, et notamment le Maghreb. Et je sais qu'il y en a plusieurs, en tout cas, qui sont en préparation sur ce Maghreb bouillonnant. Et puis, notre ami Mohamed Ali, qui... est un jeune collègue économiste de l'Université de Paris 1, qui, parce qu'il faut un économiste, il faut un économiste, parce que nous, on va parler, enfin moi, je ne vais pas parler d'ailleurs, j'ai fini après, je vais les écouter, mais en tout cas, on va parler politique, on va parler histoire, on va parler sciences politiques, sociologie, et on aura quelqu'un qui nous ramènera aux réalités de terrain, et qui va donc nous donner, pour terminer, son point de vue d'économiste. Il est évident que la révolution, elle a des facteurs économiques déterminants ont produit la révolution, des facteurs économiques pourraient la détruire. On est sorti de la révolution, on est dans la Deuxième République, on a un régime stable, on a une constitution, on a une constituante, on a eu un très beau et très compliqué processus constitutionnalisant et constitutionnel. Cette République est établie, mais... elle est fragile. Et si les lignes de pain et les boulangeries arrêtent d'être alimentées, évidemment, on basculerait dans autre chose. Donc, oui, j'ai fait une bêtise. Mohamed Ali Marouani, parce que Mohamed Ali, ça ne suffit, il manquait quelque chose. Voilà, donc je commence par... on va aller en réalité... on commence par Kmar, puisqu'on va commencer par l'histoire, par l'historienne. Donc je te donne la parole, vous avez un quart d'heure chacun, et au terme de cette heure, si vous tenez à peu près vos délais, on aura donc un débat avec la salle. Et je vous remercie de me faire l'honneur de présider cette séance. Merci Pierre, merci à l'Institut du monde arabe et à la chaire Maghreb-Méditerranée pour cette invitation. Alors voilà, je suis en posture à la fois de témoignage, je pense, puisque tu me fais parler comme historienne, donc je vais témoigner un peu à la fois de ma corporation et des usages de l'histoire. Voilà, je vais parler de ça, et c'est aussi une position aussi de second degré, parce que je ne serai pas sur les faits immédiatement, ni sur ce qui se passe, ni sur l'analyse des faits, mais d'autres le feront après moi. Ce que je voudrais dire, c'est d'abord que peut-être sur le plan de l'écriture de l'histoire, variante confondue, si je puis dire, il y a eu une explosion aussi dans le domaine historique, en tout cas dans le domaine historien.
C'est des explosions, une explosion qui vient à la suite des autres explosions dans la parole, dans la prise de parole, orale et écrite. Pas seulement orale et écrite, et aussi dans le flux d'images qui a déferlé un peu pendant plusieurs mois, et donc qui est venu à la fois avec les événements eux-mêmes, mais aussi cette instantanéité des récits de toutes sortes, en mots, en images, en slogans, etc. Et je pense que l'histoire, d'une façon à la fois un peu plus en retrait, mais et puis dans un rythme beaucoup moins important, beaucoup moins impressionnant peut-être, et beaucoup moins visible, l'histoire aussi a suivi. Alors, ça n'a pas suivi d'une façon... Alors, pourquoi elle a suivi, à mon avis, peut-être aussi à cause des moyens mêmes de cette explosion. C'est-à-dire que, quoi que l'on dise, je pense que la révolution tunisienne est aussi une fille de la technologie, enfin, un produit de ces nouveaux moyens technologiques. Et je pense que ça s'est diffusé partout, et il y a eu des conséquences partout, pas les mêmes évidemment, pas de la même façon. Donc des outils, des moyens, des canaux nouveaux qui vont alimenter à la fois et les événements politiques en eux-mêmes, dans une certaine cadence, peut-être jusqu'à fin février, si on peut parler de périodisation entre décembre et fin février, et puis après dans un autre sens. Il me semble que les historiens, en tant que tels, de manière corporatiste, enfin dans la corporation même, ont répondu un peu à une sorte d'appel d'air qui a concerné toute la société tunisienne et tous les types d'expressions. Et j'ai remarqué, en Tunisie, on peut compter à peu près à 200-250 historiens en titre, si je puis dire, professionnels, enfin on peut les appeler, qui exercent à l'université comme prof, etc. Enfin après, on verra qu'il y a d'autres catégories d'historiens. Et donc, je pense qu'il y a eu tous ces historiens un peu qui sont sortis du bois, comme on dit. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont sortis. Abdelmed qui disait « il faut que les intellectuels sortent de leur tanière », quand il écrivait un peu dans les années 90-2000. Il y a eu cette petite sortie de tanière, je pense, qui s'est effectuée. Et il y avait 20 à 25 historiens tunisiens qu'on voyait partout dans les médias. Tu m'as mise dans les médias. Mais moi, je pense que j'étais plutôt dans l'écrit, mais sur les plateaux de télévision, des choses comme ça, voilà. Voilà. Il y avait comme ça 20 à 25 qui étaient tout le temps en demande d'expertise. Il y a eu une demande d'expertise, donc il y a eu cette demande envers les historiens. On a beaucoup vu, il y en avait à peu près 20 à 25, en tout cas, je les ai comptés approximativement. Et je pense qu'il y avait trois types de discours. Dans historien ou historique un petit peu. D'abord, ce discours des historiens qui étaient là pour parler des origines des choses, où bien sûr, il y a eu des gens qui sont venus parler de l'histoire du mouvement islamiste, de l'histoire de la Constitution, beaucoup une histoire juridique, beaucoup une histoire des institutions tunisiennes qu'on a beaucoup évoquées. Et donc ça, c'est le premier discours. Le deuxième discours, il était beaucoup plus lâche. Et très vite, on a vu apparaître ce mélange qui va rester jusqu'à la fin, ce mélange entre Tunisie, 3000 ans d'histoire. Voilà, ça, c'est une phrase assez topique. Donc, la lecture de l'histoire en train de se dérouler. Et il y a eu effectivement ce que tu appelles, toi, ce qu'on appelle l'histoire du temps présent ou l'histoire immédiate, c'est-à-dire des historiens qui se sont revendiqués en titre comme des gens qui vont faire cette histoire en train de se dérouler. Il y en a eu quelques-uns et qui sont apparus aussi à la fois dans l'écrit et dans l'oral. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est encore une fois, toujours, cette influence française sur l'écriture de l'histoire en Tunisie, c'est-à-dire cette influence très forte de l'école française et ce qu'on appelait le Tarikh el-Ani, etc., des traductions littérales de pratiques historiennes professionnelles qui se sont passées en France. Donc toujours cette histoire intellectuelle franco-tunisienne très étroite dans certaines niches, et l'histoire en est une. Et puis aussi une prolifération de cette production, et puis des ouvrages, des articles, des conférences et des interventions avec des commémorations en profondeur, mais pas tout à fait les commémorations d'avant. C'est-à-dire que, par exemple, avril 38 a eu une commémoration un peu rénovée, hein, qui a été, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des tabassages le 9 avril 2012. Donc une sorte de relooking
des commémorations qui avant étaient plutôt des commémorations un peu officielles, etc. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a eu ce retour sur l'histoire un peu récente, enfin de nationale et de la période coloniale, avec des écrits, alors pour finir, eux qui reprennent cette identité tunisienne, la tunisianité, être tunisien, comment les Tunisiens sont devenus des Tunisiens. Donc des ouvrages, des articles, comme ça, beaucoup, en tout cas, statistiquement, il y a eu une prolifération de tous ces discours-là. Alors si j'en parle, c'est parce que je me suis cantonné d'abord à cette histoire contemporaine et un retour sur l'histoire contemporaine, parce que moi-même je suis spécialiste de l'histoire contemporaine, et paradoxalement, pendant cette première période, il n'y a pas eu ce retour sur, par exemple, l'histoire médiévale ou l'islamologie. On sait aussi que la Tunisie, quand même, elle a un capital d'islamologues assez intéressant, etc. Donc pas du tout, c'est cette histoire à la fois immédiate et de l'histoire en train de se faire, et puis les racines précédentes. Alors si je parle de ça, c'est parce que on voit tout de suite, et malgré, même si on passe après février, à une autre temporalité, à une autre situation politique, il y a toujours ce trinôme passé, mémoire et histoire qui est complètement mélangé. Ce triangle qui est absolument indifférencié, à peu près indifférencié, mais l'explication est simple, d'abord parce que c'est beaucoup d'émotions dans ces mois-là, et c'est un peu normal. Je pense que l'émotion révolutionnaire a un sens pour ceux qui la vivent, et y compris pour les gens qui écrivent, etc. Et je pense que cette confusion dans ce triangle était là, et c'est l'histoire qui a été toujours le maillon faible, si je puis dire, enfin l'histoire en tant que telle, en tant que posture d'étude. Et encore une fois, on se rend compte, par le cas tunisien, malgré l'émotion, malgré le déferlement, malgré la vitesse, malgré cette nouveauté technologique de circulation, de très très grande circulation, de tout ça, hein, tout ça circulait beaucoup entre les gens. On l'a un peu oublié maintenant, mais quand on relit des choses, on voit bien qu'il y a des connexions qui se sont faites et qui se sont traduites, à mon avis, dans l'action. On le verra. En tout cas, au niveau du dialogue national, on le sent. Au niveau de la Constitution, de l'écriture de la Constitution aussi, on le sent. Et pour moi, il y a eu des exemples comme ça, c'est-à-dire de très grande proximité entre la connaissance experte ou d'expertise, si je puis dire, et puis pas les décisions, mais en tout cas le cours des événements après, ou même les analyses. Alors, pourquoi ? Mais parce que, comme dans toute société, les historiens n'ont pas le monopole de l'histoire, et c'est tant mieux, à mon avis. Donc, avec tous ces usages de l'histoire, encore une fois, tout ce réveil qui s'est fait sur le terrain tunisien, on voit bien qu'il y avait ce besoin de mémoire qui était très fort dans la Tunisie, et un besoin de mémoire, évidemment, de ceux qui se sentaient exclus jusque-là. Alors, on peut mettre à la fois et les islamistes, même si on n'a pas encore une histoire des islamistes, même pas des mouvements. On ne l'a pas encore tout à fait, enfin, il y a quelques études, mais il y a beaucoup de trous. L'histoire de la famille Beylikal aussi, parce qu'ils ont été aussi un peu oubliés, ou en tout cas exclus par Bourguiba, mais on a oublié encore une fois que Zine Abdi Ben Ali a redonné la parole à la famille Beylikal, mais ils se sont quand même posés comme exclus tout de suite, un peu, dans cette année 2011. Et puis les autres acteurs du mouvement national, qui n'ont pas attendu 2011 pour s'exprimer, parce que sous Ben Ali aussi, quelques-uns, on a commencé à avoir des biographies, des mémoires et tout, donc de tous ceux qui n'étaient pas visibles, ou que Bourguiba ne laissait pas se montrer, mais tous étaient Bourguiba et moi, c'est toujours sous le mode Bourguiba et moi. Et puis les syndicalistes aussi, alors là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'études sur le syndicalisme, mais pas sur les GTT elles-mêmes, pas sur l'UTICA non plus, sur le syndicat des patrons. En tous ces besoins-là se sont exprimés, mais se sont exprimés sous le mode du vide, si je puis dire, sous le mode du manque. Sous le mode du déficit, sans compter évidemment aussi les Zeytouniens, mais je le dirai tout à l'heure, parce que ça aussi, ça a un effet un petit peu spécial. Donc tous ces besoins de mémoire jusque-là exclus, des exclus, alors ça donne une nostalgie, évidemment, et ça donne cette
ce culte du patrimoine qu'on voit beaucoup, les 3000 ans d'histoire, comme je disais, l'identité tunisienne, les spécialités régionales, etc. Tout ça a pris beaucoup de... L'archéologie, évidemment, a repris un peu dans tout le besoin du tourisme culturel, de revenir un peu à cette histoire longue, aux monuments, aux zaouias, aux mosquées, etc. Et donc là, la société civile, évidemment, et là, les historiens étaient très présents, surtout les historiens locaux, qui étaient un petit peu partout dans les régions, profs d'histoire ou enseignants souvent, et même, ou même chercheurs, ont participé, si vous voulez, à cette redynamisation du patrimoine, qui avait des côtés un peu nostalgiques, mais aussi des côtés redynamisation du patrimoine, faire connaître, comprendre, etc., des festivals locaux, et surtout les héros du mouvement national, comme on disait, dans les régions, c'est-à-dire que, encore une fois, c'était les oubliés. Alors, tout ça, c'était dans la société, si je puis dire, diffus à travers les médias de toute obédience et à travers ces vies locales et ces sociétés civiles locales qui travaillaient. Mais un usage qui est devenu aussi, beaucoup, avec le temps, beaucoup plus apparent, c'est les usages politiciens, donc toutes les polémiques politiciennes, qui ont pour caractéristique, à mon avis, principale, c'est que Bourguiba était en creux ou en relief. Toujours. Alors, soit c'est Salah Ben Youssef, soit c'est la Zaytouna, soit c'est Abdelaziz Thalbi, etc. Donc, des polémiques différentes, elles sont différenciées, mais en même temps, des usages souvent de confusion, notamment de la part des islamistes. Ils ont essayé de trouver une accointance avec Salah Ben Youssef, et puis après, ils ont trouvé une accointance avec Abdelaziz Thalbi, etc. Mais tout ça, c'est les anti-bourguibiens, etc. Et donc, ces usages-là, eux-mêmes, ont continué, y compris dans l'exemple de la justice transitionnelle, quand on sait que la loi technique de la justice transitionnelle a voulu absolument remonter jusqu'au 1er janvier 1955. 55, c'est le retour de Bourguiba à Tunis. Alors, ce que je fais remarquer sur la justice transitionnelle, c'est qu'il y a quand même eu un travail, et quelqu'un l'a remarqué lui-même, en tout cas un membre, c'est que le mot histoire ne figure pas. Il n'y a que le mot mémoire, mais en même temps, il y a eu à la fois... voilà, c'est pas un malentendu, mais que tout le monde... Quand les gens disent histoire, ils pensent mémoire, et il y a des gens qui pensent en mémoire, pensent histoire. Toujours cette même confusion. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est la présence de l'histoire dans les autres types d'expressions, dans la littérature, dans le cinéma, dans la peinture, etc., plein de présence, en tout cas de retour de l'histoire, et surtout de l'histoire contemporaine. Je ne sais pas si j'ai le temps encore de quelques minutes. Non, j'ai fini, c'est fini. Alors, je voulais juste parler de mon propre chemin, parce que tu me l'as demandé, mais pourquoi je voulais en parler ? Eh bien, parce que moi, je fais partie un peu de ce mouvement de bouleversement, enfin de déboussolement, si je puis dire, parce que c'est quand même un petit peu ça. Moi aussi, j'ai pris la parole, et j'ai pris la parole sur le journal, encore une fois, ce qui est quand même assez étranger, donc c'est quand même une forme de participation. Et j'ai commencé à écrire des articles moi-même, ne sachant pas trop que j'allais parler d'histoire. Et jamais je n'ai dit que je ne parlais d'histoire immédiate, ni que je faisais l'histoire. Je me demandais ce qui se passait. Et c'est un petit peu comme ça que petit à petit j'ai continué à écrire. Et je pense que je suis un peu dans cette transformation qui a été. C'est pour ça que je dis que la technologie a beaucoup fait. Je pense que s'il n'y avait pas eu Internet, si mes propres papiers étaient restés sur la presse seulement, je pense que je n'aurais pas été aussi encouragée ou je n'aurais pas continué. Et il me semble qu'il y a quelque chose de très important dans cet apport de la technologie. Ce qui fait que mon expérience de blog a été une expérience un peu à la fois un peu personnelle et pas du tout comme on écrit des blogs ou comme les jeunes écrivent des blogs, c'est-à-dire une écriture en évolution, mais toujours en articulation. D'abord avec l'histoire qui se passait devant nous, sans que j'ai jamais prétendu faire l'histoire immédiate, mais je me demandais ce qui se passait. Mais surtout, après, c'est ma pratique professionnelle qui en a changé. Voilà. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus du tout, je ne travaille plus du tout de la même façon, de cette façon-là. Après l'effet de surprise, etc. Je pense que maintenant, je travaille autrement. Et si je travaille autrement, c'est parce que j'avais commencé déjà un petit peu avant à travailler de manière historiographique, c'est-à-dire à avoir toujours ce recul historiographique sur les choses. Et je pense que l'histoire en train de se faire m'a aidé à faire ce lien avec le passé et le présent, ce qui fait qu'il me semble encore une fois que je me suis nourrie à la fois de ce que j'observais,
autour de moi dans l'actualité, mais que sur le plan professionnel et dans mon écriture, si vous voulez, j'ai un peu mélangé petit à petit les choses, au point que maintenant, mes papiers sont... c'est une interrogation sur l'histoire elle-même, sur l'exercice de l'histoire, sur ce que ça signifie, ce que signifie une périodisation. Par exemple, quand je dis aujourd'hui, entre le 17 décembre et fin février, c'est une hypothèse pour moi, c'est une hypothèse de périodisation qui me vient. Par exemple, je n'aurais jamais cru que je pouvais écrire sur la Constitution. Eh bien, écrire sur une Constitution alors qu'elle venait de se terminer m'a obligé à travailler sur les autres Constitutions, leur poids, mais aussi sur la manière de les écrire, parce que ce qui me semble important dans la Constitution de 2014, c'est que c'est la première qui ne soit pas écrite par les constituants, à mon avis. Elle est pas, non seulement elle n'est pas écrite par les constituants, pas seulement par les constituants, mais surtout pas par eux, en tout cas pas seulement. Enfin, c'est ça aussi, je pense que la technologie l'a permis. Et voilà, je travaille sur des choses qui sont maintenant en prise peut-être avec l'histoire en train de se faire, mais toujours avec ce besoin d'aller voir dans l'histoire de la Tunisie ce qui peut être du rappel, ce qui peut être des oublis, etc. Et donc voilà, je veux dire... Peut-être que tu veux que je conclue, là ? Je veux bien. Je vais le faire. Et ce qui me semble important, c'est que quand on dit écriture de l'histoire, il y a à la fois l'histoire en train de se faire et puis l'histoire en train de s'écrire. Alors, c'est pas, est-ce que c'est les historiens qui écrivent l'histoire ou est-ce que c'est les acteurs qui la font, qui l'écrivent ? Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, en Tunisie, nous avons à la fois des mémoires concurrentielles très fortes et des usages politiciens très forts à la mesure de l'émotion qui se passe, mais aussi à la mesure des enjeux politiques et des bagarres politique. Et moi, je pense que l'écriture de l'histoire, c'est un enjeu peut-être de second degré, celle, l'écriture de l'histoire par les historiens, c'est-à-dire comment elle a été écrite jusque-là en Tunisie, ou, etc., qui me semble un capital de connaissances non seulement à exploiter, mais à faire évoluer et surtout à faire rentrer la Révolution dedans, parce que la Révolution n'est pas rentrée dans l'histoire, à mon avis, en fait, dans l'histoire savante. Et que, entre il y a écrire et écrire, c'est-à-dire ceux qui écrivent aujourd'hui, ce sont les acteurs, je pense, et ceux qui écriront demain, c'est-à-dire les historiens, devront compter avec le temps, c'est-à-dire les différentes temporalités, les rythmes, parce que c'est encore et toujours la plus grande explication pour permettre d'entrer dans la complexité des choses en train de se dérouler. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, Kmar. Alors, je passe la parole et le micro. Tu as un micro ? Oui, prends celui-là, parce que le fil est trop petit. Donc, je passe la parole à... Alors, j'ai bien aimé cette idée de se réapproprier, hein. La réappropriation, non seulement du fait de faire l'histoire, ça on en parlera, mais la réappropriation de l'histoire en tant que discipline. Comme si l'autoritarisme avait coupé, y compris la possibilité de s'évader de ce côté-là. Je passe la parole à Radija Marcène-Finan qui va mettre en parallèle ou en rapport la question des sciences sociales et de cette transition révolution politique. À toi. Merci. Je voulais justement prolonger les propos de Kmar et dire qu'il y a eu une difficulté aussi pour les praticiens des sciences sociales de donner un sens à la révolution et à ce qui a suivi. En réalité, tout ce dont on disposait en termes de paradigme théorique ne permettait absolument pas d'imaginer ou même d'espérer une rupture de ce type. Et il fallait du temps. Il fallait du temps pour passer à l'analyse froide, distante, et réfléchir à un nouveau cadre qui permette de rendre les faits intelligibles. Mais cette distance et ce recul paraissaient aussi... en 2011 en tout cas, paraissait très difficile, et même après, tant la dynamique entamée par la Révolution continuait, elle, à se déployer de manière extrêmement rapide. Alors que le temps de la réflexion, lui, exigeait un détachement des faits, un détachement de la chronologie. Et le premier moment, ou la première séquence, pour parler comme Kmar, s'est organisé, lui, autour d'un récit qui paraissait très simple, celui d'un peuple uni qui entendait se libérer de son dictateur. Mais ce qui est arrivé par la suite était beaucoup plus complexe.
L'histoire devenait complexe avec effectivement la transition institutionnelle et tout ce qui se négociait autour de cette transition, la compétition électorale aussi, et les mémoires du passé, tu viens d'en parler, Akhmar, les mémoires du passé qui sont différemment vécues. Les attentes des Tunisiens aussi, et la pression de la rue, et les défis économiques et sociaux. À tout cela, il fallait ajouter, bien sûr, une gouvernance par un personnel politique élu, mais qui s'est avéré très tôt inefficace. La crise de 2013 et sa gestion montraient en tout cas que cette gestion ne pouvait être que consensuelle. Et ce qu'on a eu après par la bipolarité, etc., le montrait aussi, c'est que la politique ne pouvait plus se faire par le haut, elle se faisait différemment, et les sciences sociales devaient prendre acte de cela pour rendre compte des faits et les rendre intelligibles. Alors, bien sûr, tout ça... Dans tout ça, le chercheur doit appréhender tout ça dans un contexte qui était marqué par une parole qui se libère. Par une parole qui se libère, et là aussi, ça tranchait considérablement avec la période précédente où il était très difficile de recueillir des témoignages. Et là, il y avait effectivement une parole qui se libère, et les contraintes et les retenues de la période précédente avait été écarté, et là, le chercheur doit faire absolument le tri dans tout ce qui est dit et qui peut relever de la théorie du complot, qui peut relever d'un règlement de compte aussi, et tout le monde pense qu'il est dans le vrai. Donc, il y a aussi un travail à faire pour les sciences sociales face à ce flot finalement de témoignages et de récits qui se veulent être tous dans le vrai. Alors l'écriture de ce moment et son analyse était d'autant plus difficile que le soulèvement populaire de 2011 a généré aussi ses propres mythes. Il a, comme toutes les révolutions, il a généré ses mythes. Et il fallait aussi intégrer cela et en prendre cela en compte. Alors, l'autre difficulté sur laquelle il est nécessaire de revenir, c'est que la révolution tunisienne mettait aussi en évidence les limites des paradigmes qui avaient été jusque-là utilisés dans l'analyse politique des pays arabes. C'est vrai que la science politique s'était centrée sur ce qu'on appelait alors la robustesse des systèmes autoritaires et dont on expliquait très volontiers qu'ils étaient stables, qu'ils étaient durables, et tout en essayant d'ailleurs, en disant ça, de trouver des failles peut-être qui auraient permis une ouverture des systèmes, mais vraiment une ouverture sans aller jusqu'à la rupture. Alors on disait que l'évolution de ces régimes pouvait alors venir de l'intérieur, c'est ce qu'on imaginait, et viendrait de l'intérieur pour donner naissance à des systèmes ouverts, première étape vers la démocratie qui restait un horizon tout à fait lointain. Les révolutions arabes montrent qu'il y a des raccourcis possibles. Donc ça aussi, c'est une remise en question. Et puis les explications données aussi à l'autoritarisme, selon des approches qui ont été différentes, les approches culturalistes, les approches développementalistes, les approches centrées sur la faiblesse de la société civile, et de l'opposition, ou encore sur les pactes tacites qui ont été négociés ou qui auraient été négociés entre les populations et la classe dirigeante.
Bon, bien sûr, tout ça ne veut pas dire, au niveau de l'écriture et de la production, qu'il n'y a pas eu de travaux sur des aspects bien précis. Il y a eu des travaux intéressants sur les jeunes, des travaux intéressants sur les médias, sur la société civile, dans des cas d'études qui se sont révélés, en tout cas, annonciateurs de la Révolution. Mais toutes ces approches ont appréhendé les systèmes autoritaires, en tout cas à travers le prisme d'une dichotomie qui opposait l'État à la société, avec la conviction que la société était faible et que l'État, lui, était fort. Alors, à toutes ces difficultés sont apparues à un moment donc de rupture où les choses étaient en perpétuelle évolution et changement. Et au niveau politique, bien sûr, ça changeait sans arrêt. Et très rapidement, il y a eu une difficulté aussi à nommer ce que nous avions vécu en Tunisie. Je me rappelle, dès l'année 2012, il y a eu des interrogations très importantes sur est-ce que c'est une révolte, une révolution. Ce sont des interrogations qui se posent encore. Je me souviens de Ayaz Ben Achour qui disait qu'on s'est interrogé jusqu'à l'étouffement sur ce qui s'est passé, peut-être pour vouloir absolument donner un terme ou pour dire qu'on n'était pas convaincu finalement de ce qui se passait. Et que si c'était vraiment une révolution, la population n'aurait pas été déçue, voyant que son quotidien ne s'améliorait pas. Donc, les réponses à ces questions sur la nature de l'événement lui-même ont été diverses. Certains ont adopté le terme en disant « moi, ça me convient bien ». D'ailleurs, ça correspond à ceci, cela, ça ne dément pas ceci, cela. D'autres ont dit aussi que les historiens auraient à se prononcer sur la nature de l'événement. Mais globalement, tout cela a finalement... certains ont dit aussi que tout cela n'avait pas d'importance. N'avait pas d'importance, et que ce soit une révolte, que ce soit une révolution, ça ne changeait rien fondamentalement. Et qu'il fallait peut-être interroger les faits en termes de changement. En termes de changement, et voir si, après ce qui s'est passé en 2011, le changement était bien réel, était bien palpable, et qu'il y avait réellement quelque chose qui se différenciait de ce qu'on appelait déjà l'ancien régime. Ce changement, il faut bien le dire, aujourd'hui, ceux qui vont parler après moi vont parler de ce qui s'est passé, des faits, mais malgré la mauvaise gouvernance, malgré les conflits qui ont émaillé ces 5 années, le changement est, et là je crois qu'il y a un consensus là-dessus, réel. Il est réel parce que, et là aussi, au niveau de la science politique et des sciences sociales, on voit que l'action politique est désormais pensée et vécue sur un mode nouveau. Qu'il y a une nouvelle conception de la politique qui est née, et avec elle, un acteur nouveau aussi, le citoyen, qui se dote, lui, de missions diverses, comme celle qui consiste à responsabiliser les élus, comme celle qui consiste aussi à faire preuve d'exigence vis-à-vis d'un personnel politique, quand bien même élu, on l'a bien vu au cours de l'été 2013, des missions aussi consistant à moraliser la politique, à contrôler les représentants du peuple, même dans leur assiduité à l'Assemblée du peuple. Et il y a eu là une réappropriation aussi, non pas de l'histoire cette fois, mais de l'espace public. Réappropriation de l'espace public avec la rue qui devient depuis 2011 en tout cas, et même depuis l'hiver, depuis décembre 2010, un espace d'expression, un espace de conflit, mais aussi un espace de cohésion avec des lieux de la politique qui ont changé
et qui interagissent forcément avec les institutions politiques. Il y a aujourd'hui aussi, en termes de changement, il faut bien le dire, une pacification de la vie politique. Islamistes et modernistes ont compris qu'au-delà même des états-majors, d'ailleurs, que le pouvoir constructif ne pouvait se concevoir que dans le partage. Donc, malgré les promesses non tenues de la Révolution, et elles sont nombreuses, il y a des acquis considérables qui légitiment justement cette exception tunisienne. Je ne sais pas s'il faut parler d'exception, mais en tout cas, le fait que la Tunisie ne figure pas sur la longue liste des pays qui ont sombré dans la guerre civile, dans la violence, dans un nouvel autoritarisme après le soulèvement de 2011. Alors, ces acquis montrent aussi que le cas tunisien conserve une importance, en tout cas capitale, et qu'il est fondateur d'abord de ce moment révolutionnaire arabe, et qu'il représente aussi un cas d'école quant au passage à la démocratie par la rupture institutionnelle et le compromis entre élus et formations différentes. Alors c'est tout cela dont les praticiens en sciences sociales doivent tenir compte aujourd'hui. Reste à savoir si le changement qui est advenu en Tunisie annonce aussi le rôle politique de la société civile et peut-être la possibilité d'imaginer la politique ailleurs que dans les partis. En tout cas, c'est un nouveau chantier pour les sciences sociales et qu'il faut nécessairement appréhender autrement. Voilà. Merci Khadija. Effectivement, nos paradigmes anciens et sur le monde arabe en général et sur le Maghreb ont volé en éclats. Alors, ils n'ont pas volé en éclats partout parce qu'on voit que le marteau et l'enclume, ils continuent à bien se taper sur la tête dans certains pays du Moyen-Orient. Mais au fond, en Tunisie, il y a eu, comme diraient certains, un trou de souris par lequel a pu émerger quelque chose de nouveau. Et c'est ça dont tu vas nous parler. Je voudrais quand même dire deux mots sur ton parcours, Aziz, parce que, au fond, tu as été ce qu'on aurait appelé en France sous l'Ancien Régime un réprouvé. Tu as dû quitter ton pays, tu as été contraint de t'exiler deux fois presque, une fois 15 ans et une fois 10 ans, une fois sous Bourguiba, une fois sous Ben Ali. Et c'est vrai que faire de la politique avec une grande exigence de face à ces régimes autoritaires, c'était quand même quelque chose de douloureux, de difficile. Et au fond, tu as un petit peu... Alors, j'ai en mémoire un texte que tu as écrit dans les années 80 qui s'appelait Fracture, hein, la fracture des élites. C'était fracture culturelle, linguistique. Et il se trouve que par les hasards de l'histoire, et c'est ce que tu racontes dans ce livre, donc La promesse du printemps, tu as été en tant que conseiller politique à la présidence, tu as pu contribuer... quel que soit le niveau de cette contribution, a justement essayé de remédier à cette fracture qui aurait pu entraîner le pays dans la guerre civile et qui était évidemment non seulement une hypothèse, mais une hypothèse sérieuse dans la mesure où cette expérience dramatique a été vécue en Algérie quelques années auparavant. Donc là, il y a eu un moment, et tu le racontes bien, où depuis ta position, tu as pu observer la manière dont certains ont soufflé sur les braises pour aller à la guerre ou pour garder des positions de pouvoir, et d'autres ont essayé un peu de mettre non pas du sel sur les plaies mais du baume pour résorber ces dramatiques. Et ça, c'est la chronologie, hein, c'est la crise dont tu parlais tout à l'heure, Khadija, la crise de 2013, c'est ce moment où il y a un parlement, une chambre constituante qui ne constitutionnalise pas, et il va falloir que ça passe par une entente politique entre des chefs politiques. Et là, il se trouve que toi, tu es un observateur privilégié, et c'est ça que tu racontes, pour aboutir au compromis constitutionnel de janvier 2014. Et puis, quelques mois plus tard, tu vas quitter tes fonctions par désaccord politique. Et merci en tout cas en tant qu'historien d'avoir pris le temps
C'est rare que, enfin, ça arrive que les acteurs politiques prennent le temps d'écrire, mais au moins on gardera un livre remarquable de cette expérience. Je te passe la parole. Je ne sais pas ce que tu vas pouvoir dire en un quart d'heure, mais en tout cas, vous savez qu'il y a une bonne petite bibliothèque qui vous attend. Bien, merci. Donc, je vais essayer de. Je vais essayer d'expliquer 5 ans d'histoire. 5 ans d'histoire agitée, mouvementée, mais qui débouche en Tunisie sur quelque chose de considérable. Des espaces de liberté garantis par la Constitution et par le jeu réel des forces politiques actuelles. Et la paix civile. La paix civile, quand on voit ce qui s'est passé dans les autres pays du printemps arabe, c'est un bien suprême. La paix civile a été préservée en Tunisie, mais donc ça c'est très important, je veux le dire tout de suite. Mais le bilan général que je fais de cette période de 5 ans n'est pas très positif, dans la mesure où ce qui m'importe, ce n'est pas... Je suis un acteur. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que nous avons fait, même si c'est important. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il reste à faire, et qui est beaucoup plus important encore. Ce qui s'est passé en Tunisie au début, c'est ce qu'on peut appeler une première phase classique de soulèvement révolutionnaire. C'est-à-dire que, et ça s'est concentré en quelques semaines, quasiment un mois, les uns après les autres, les principaux groupes sociaux se sont levés, se sont dressés contre le pouvoir politique. Alors, ça commence... Dans la Tunisie rurale. Ensuite, la deuxième séquence, c'est quand le soulèvement se propage au niveau des quartiers périphériques des grandes villes. La Tunisie de l'informel, du clandestin, de l'illégal. Et la troisième séquence, c'est quand le monde des travailleurs, des salariés, des fonctionnaires, des employés, quand ce monde-là, en général, payé très chichement en Tunisie, quand ce monde-là rejoint le mouvement, et la dernière séquence qui fait qu'on a affaire à un véritable soulèvement national et non plus seulement à un soulèvement populaire, c'est quand les classes moyennes se joignent au mouvement. Pratiquement dès le 10 janvier 2011, Ben Ali, ce n'était plus une classe dominante menacée, c'était devenu une clique, une espèce de bande mafieuse, et en réalité c'était une bande mafieuse, prédatrice, brutale, complètement isolé par quasiment la totalité, l'écrasante majorité de la population. Donc, cette première séquence, c'est une révolution, le début d'une révolution sociale classique. Quand je dis sociale, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de dimension politique. Les mots d'ordre de liberté politique étaient essentiels pendant cette période de soulèvement. Mais il y avait... De façon implicite et explicite, il y avait des revendications économiques et sociales. La Tunisie est un pays fracturé socialement, sociologiquement, territorialement, en termes de niveau de revenus, etc. Donc il y avait de gros problèmes économiques et sociaux. Et les gens se sont soulevés essentiellement pour cela. Alors, la particularité, mais là aussi, je ne crois pas que ce soit une particularité tunisienne. La particularité de soulèvements de ce type, c'est que la plupart du temps, c'est des soulèvements spontanés. Des soulèvements spontanés, ça veut dire qu'il n'y a pas
d'encadrement politique. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de chef de parti pour diriger tout ça. C'est la population qui se soulève d'elle-même. Et pendant ce mois de soulèvement révolutionnaire en Tunisie, les partis politiques, le parti au pouvoir, mais aussi les partis d'opposition, eh bien, ils étaient aux abonnés absents. Ils n'étaient pas là. Quand je dis ils étaient aux abonnés absents, des militants de tel ou tel parti ont pu participer aux manifs comme tout le monde. Mais ils y participaient comme citoyens, comme tout le monde, justement. Pas en tant que parti, avec un programme, avec des objectifs précis à assigner à ce soulèvement populaire. Donc, on a un mois de soulèvement de ce type. Et le 14 janvier, ce soulèvement aboutit à un résultat essentiel à ce moment-là, la fuite du dictateur. Donc, le principal symbole de l'oppression du pays, à ce moment-là, ce symbole tombe. Et c'est à partir du 14 janvier, donc le jour de la victoire, que commence, que l'on entre dans une nouvelle situation, dans la mesure où à partir du 14 janvier, de façon mesurée ensuite, et puis de plus en plus, avec le temps, de façon de plus en plus large, ce sont les forces politiques qui reprennent les choses en main. Alors, dans un premier temps, c'est des hommes de l'ancien régime qui essayent de coopter un certain nombre de figures de l'opposition pour avoir un gouvernement un peu plus crédible et faire rapidement une transition politique. En disant le problème c'était la mafia de Ben Ali, maintenant on n'a plus de problème puisque la mafia de Ben Ali est partie. Bref, à partir du 14 janvier, on va rentrer dans un deuxième temps où on n'est plus dans l'action populaire spontanée, mais dans le jeu des partis. Alors, la difficulté avec les partis, non seulement en Tunisie, mais plus généralement dans le monde arabe, et d'ailleurs c'est pourquoi ça a très souvent dégénéré, le problème de ces partis, c'est qu'ils sont traversés par une espèce de polarisation quasiment assassine. Il y a d'un côté au niveau des forces politiques ceux qui se réclament de l'islamisme, et en face je mets plein de guillemets mais je parle hein. Donc il y a le camp islamiste et il y a le camp moderniste, là aussi plein de guillemets. Et ce clivage au niveau de la classe politique, ce clivage on le retrouve dans quasiment tous les pays arabes, c'est un clivage ancien et c'est un clivage mortifère. Jusqu'au 14 janvier 2011 avec la fuite de Ben Ali, l'histoire des relations entre les islamistes et les modernistes, pas seulement en Tunisie, mais dans le monde arabe, c'est une histoire de guerre, de lutte à outrance. C'est une histoire de massacre et d'assassinat. Alors, à partir du moment où le mouvement spontané est mis de côté et où ce qui se met à fonctionner, c'est le jeu des partis, petit à petit, en Tunisie, ce clivage idéologique, ce clivage identitaire, s'est remis à fonctionner et à travers différents épisodes, on est arrivé à un moment, je suis obligé d'aller vite, Pierre vous disait il y a le livre, mais c'est quand même bizarre, vous êtes, je ne sais pas moi, peut-être une cinquantaine de personnes,
Il y a trois livres ici. Je vois pas. Quand on le publie, on te réinvitera. Et tu auras une heure. Voilà. Alors, à travers donc différents événements, on est arrivé en été 2013 à un moment de très grande tension. Alors l'été 2013, ce qu'il faut savoir, c'est que donc début juillet, le 3 juillet 2013, en Égypte, il y a le coup d'État militaire. Le coup d'État militaire de Sisi, présenté à l'époque comme une remise de la révolution sur ses rails. Donc il y a ça. Et deux ou trois semaines après, le 25 juillet à Tunis, il y a l'assassinat d'un député d'opposition. Un député d'opposition, Mohamed Brahmi, qui était un homme connu dans le pays et très respecté. Tout ça a fait l'effet ça a été quasiment comme un électrochoc en Tunisie. Et je vous ai dit, là, il y a eu ce que les stratèges militaires appellent la montée aux extrêmes. On a eu une opposition qui a voulu, en Tunisie, répéter le scénario égyptien. Il y a eu des appels, pas voilés, mais quasiment publics, à l'armée pour qu'elle fasse la même chose qu'en Égypte. Et du côté de l'alliance laïco-islamiste avec une présence dominante des islamistes, c'était une coalition formée par trois partis, en Tunisie on appelait ça la Troïka. Au niveau de la Troïka, il y a eu un moment de grande panique parce que ils voyaient les massacres se produire en Égypte et ils avaient peur pour eux. Et donc, ils ont imaginé à leur tour des tactiques pour annihiler cette opposition qui les menaçait. Tout a failli bousculer en Tunisie. Ce mécanisme-là, on l'a vu à l'œuvre en Égypte, au Yémen, en Syrie, en Algérie avant, en Syrie avant, etc. Et en général, quand ça commence à se crisper de cette façon-là, il y a très souvent des interventions étrangères qui font que, évidemment, ça dégénère encore plus. Et pour ce qui est de la Libye, il y a eu une intervention de votre cher président Sarkozy, si vous vous souvenez, c'était pas il y a très longtemps. Ça n'a pas du tout contribué à apaiser la situation. Donc, en Tunisie, ça a failli dégénérer. Sauf que, en Tunisie, quand ça a failli dégénérer, on avait déjà une espèce, c'est peut-être la chance, le hasard, j'en sais rien, mais ça s'est produit à un moment où les forces d'opposition et les forces composant la majorité au pouvoir étaient quasiment en état d'équilibre. Il n'y avait pas de parti, eux à la fin, capable de l'emporter sur l'autre. Donc ça se menaçait, mais ça ne pouvait pas dépasser le stade de la menace orale. Personne, ni dans un camp, ni dans l'autre, ne pouvait entraîner le pays derrière lui. Et encore moins l'appareil d'État, c'est-à-dire les forces de sécurité, contre son adversaire politique. Donc, il y a eu ce moment-là, et ce qui fait la particularité un peu de l'expérience tunisienne, c'est qu'il y a aussi, en Tunisie, une société civile, pas simplement développée, mais structurée, notamment à travers un syndicat de travailleurs qui est là depuis 60 ans, qui a dû composer avec les différents régimes qui se sont succédés, mais qui est une force sociale centrale dans le paysage tunisien. Et
un tout petit exemple. La direction de l'UGTT sous Ben Ali, les dirigeants de l'UGTT n'étaient pas moins corrompus que la clique de Ben Ali. Mais quand il y a eu le soulèvement populaire, c'est dans les locaux de l'UGTT, sur le plan régional et local, que les gens se rassemblaient. Donc, cette structure-là, elle est installée dans l'histoire contemporaine de ce pays et elle a globalement joué un rôle de progrès. Et donc, au moment de la crise, l'UGTT, l'UTICA, l'équivalent de votre MEDEF, la Ligue des droits de l'homme, l'Ordre des avocats, ces quatre organisations soutenues par plein d'autres associations de la société civile, eh bien, se sont littéralement imposées au pouvoir politique en proposant une sortie pacifique à la crise politique. Et c'est comme ça que, en 2014, on a eu un gouvernement non partisan, donc le gouvernement, le gouvernement organisé autour de Nahda, autour des islamistes, a démissionné. On a vécu pendant toute l'année 2014 avec un gouvernement où il n'y avait que des indépendants. Cette année-là, et il y a eu, on a finalisé la rédaction de la Constitution. Ce que disait Kmar tout à l'heure est vrai, des experts ont participé, mais moi j'étais dedans. Je peux vous dire que cette Constitution, qui est globalement satisfaisante, qui préserve les libertés non seulement publiques, mais les libertés privées, qui, pour la première fois dans un pays musulman, reconnaît la liberté de conscience, alors que dans plein de pays musulmans aujourd'hui, la liberté de conscience signifie l'apostasie, et l'apostasie, c'est la peine de mort. Donc, il y a des choses très importantes qui ont été faites avec cette Constitution, mais ça, c'est pas simplement le travail des constituants, même si les constituants, dans leur écrasante majorité, ont été impliqués dans la rédaction. Et il y a eu, en dehors de cela, dans le pays, pratiquement dans toutes les localités du pays, des discussions autour du texte de la Constitution. Je crois, parce que le calcul a été fait, je crois qu'il y a eu au final plus de 70 000 Tunisiens qui ont discuté de ce projet de Constitution. Donc, c'est pas simplement un acquis sur le papier, c'est quelque chose qui marque que l'on entre dans une nouvelle étape. Alors, fin 2014, il y a des élections générales. On n'est plus dans une période constituante. Je peux avoir encore 3 minutes. Donc, il y a des élections générales et il y a une élection présidentielle, et l'espèce de compromis qui avait commencé à être élaboré après la crise de l'été, ce compromis est sanctionné par l'alliance qui est effective aujourd'hui depuis plus d'un an entre les deux principaux partis, le parti Nahda et le parti Nida Tounes. Je mets islamiste entre guillemets et moderniste entre guillemets, mais c'est en gros les deux, il s'agit de ces deux inspirations là. Alors,
cette période de transition politique, je vous ai dit, elle a garanti la paix civile, contrairement à ce qui s'est passé dans les autres pays, et elle a garanti les libertés et les droits des gens. C'est considérable. Mais par rapport aux objectifs sociaux et économiques du soulèvement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et la question n'est pas technique. La question, il n'y a rien. Et pour vous ici, peut-être que ça vous semble bizarre, mais pour tous ceux qui, depuis un an, vivent en Tunisie ou vont en Tunisie, cette espèce de paralysie du gouvernement depuis plus d'un an, c'est quelque chose qui saute aux yeux. On a donc une élite qui est une élite politique qui est rassemblée, qui est coalisée et qui est incapable de régler les problèmes du pays. Et c'est là où je reviens à ce que je vous disais au début. Ces élites qui ont été absentes du soulèvement, elles n'ont pas été absentes simplement par hasard. Elles étaient absentes parce que le soulèvement, c'était quelque chose qui les dépassait elles-mêmes. Ce qui s'est passé avec le soulèvement, c'est une espèce de rupture dans l'évolution du pays. Le pays veut aller au-delà, veut aller vers l'avenir. Et on a des élites qui sont littéralement ancrées dans le passé. Et imaginer des solutions pour régler les problèmes économiques et sociaux de la population sur des modèles différents des modèles d'avant, ils ne savent pas. Ce n'est pas dans leur logiciel. Et comme ils ne peuvent pas non plus, parce qu'on est dans un pays aujourd'hui libre, ils ne peuvent pas recourir aux anciennes méthodes, ils sont littéralement coincés. Et cette situation-là, si on ne lui trouve pas de solution, est extrêmement dangereuse. Elle est extrêmement dangereuse parce que la condition matérielle de la grande majorité des Tunisiens depuis 5 ans n'a pas cessé de se dégrader. Tout à l'heure, Mohamed Ali vous en parlera, mais tout de suite. D'accord. La question, à mon avis, je termine là-dessus. Mais là aussi, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une particularité de la transition en Tunisie. Je crois que, d'une manière générale, quand il y a ce type de soulèvement populaire spontané se produit, donc quand ces révolutions sociales se mettent en branle, au début, à mon avis, il y a très rarement des forces politiques capables de se mettre au diapason de ces soulèvements. Il faut des forces politiques nouvelles. Et à mon avis, ces forces politiques nouvelles, elles se construisent après. Elles se construisent après et elles se construisent en règle générale en puisant dans la société civile. Et à mon avis, de ce point de vue-là, la Tunisie garde toutes ses chances parce que nous avons une société civile d'un très grand dynamisme. Je termine parce que ça fait bien politiquement. Absolument, c'est dans le politiquement correct. Une société civile où, je vous le garantis, je suis pas représentant de commerce, où la jeunesse et les femmes jouent en Tunisie aujourd'hui un rôle essentiel. Avant, on avait au niveau des associations des présidents hommes et les femmes, c'était les secrétaires. Aujourd'hui, parmi les plus importantes associations de la société civile ou ONG, il n'est pas rare que le patron soit une patronne et que les 3/4 de l'effectif des bureaux soient composés par des femmes et le plus important par des jeunes. Donc, d'une certaine manière, peut-être que rapidement, cette classe politique vieillie va céder la place aux jeunes. Aux jeunes, Inch'Allah.
À toi. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé magistral et pour la transition avec la question économique. J'espère qu'on va garder les gens jusqu'au bout. Je vais essayer de faire en sorte que... Donc, quand Pierre m'a demandé de donner un titre à mon exposé, je lui ai dit tout à l'heure le titre, il ne m'a pas pris au sérieux. Mais je pense que ce que vient de dire Aziz Krishen prouve que je n'avais pas tort tant que ça. Donc, mon exposé s'appelle « Tout changer pour que tout reste pareil ». Et sur le plan économique, je pense que ce titre résume à lui seul toute la situation. Donc, on n'a pas eu de rupture au niveau économique. Je crois que c'est un constat sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord. Je ne vais pas vous parler de chiffres, ni des problèmes de chômage, de croissance, du tourisme, de tout ça, je pense que vous connaissez. Donc, je vais essayer d'aller un peu au fond de l'histoire. Au début, donc, le débat a été confisqué par les juristes, donc sur la question de la Constitution. On a essayé, d'ailleurs, avec le Cercle des économistes arabes, d'organiser... notre président est là d'ailleurs, on a organisé un événement, tout le monde est venu nous écouter poliment en disant c'est très intéressant ce que vous racontez, mais l'économie c'est pour plus tard, on verra plus tard. Donc on a attendu, maintenant depuis un an on parle économie, mais ça a pris 2-3 ans, on a laissé l'économie de côté. Et l'autre chose qui a été dite par Aziz Krishen et d'autres, c'est que le débat a été focalisé sur la famille. Donc plus on tapait sur la famille de Ben Ali et ses proches, plus on disculpait les autres, en fait. Et c'était vraiment un moyen de tous les autres qui ont participé au système de dire c'est Ben Ali et sa famille et nous, on n'a rien à voir. On était tous des gentils, en fait, et il y a très, très peu de méchants. Il suffit de les supprimer. Alors, le problème, pour moi, le problème principal, c'est qu'on n'a pas donné un signal d'aller vers un État impartial, en fait. C'est le problème de toute la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. L'État n'est pas impartial. Donc, il n'y a pas d'économie. Toute l'économie est politique. Et donc ce qu'il fallait, à mon avis, au jour de la Révolution, c'est pas couper des têtes, mais c'est dire l'État va devenir impartial. Il y avait la légitimité de le faire. On l'a pas fait. On n'a pas dit, on va aller, on n'a pas donné de signal pour dire... D'ailleurs, il y a une phrase qui est beaucoup utilisée en Tunisie, que ce soit sous Ben Ali, maintenant, tout le temps, elle a eu toujours beaucoup de succès. C'est en arabe, on dit « Daoulat Qanoun Mouassasset », l'État de droit et des institutions, qu'on n'a pas eu, mais qu'on a toujours parlé de ça. Je m'en rappelle, même quand j'étais petit à la télé, c'est la phrase type utilisée, alors qu'on faisait exactement l'inverse. Et l'un des problèmes de la Troïka dont parlait Aziz Krishen, qui arrivait, et notamment de l'un de ses partis, qui n'est pas le parti islamiste, qui était un autre parti, qui avait fait campagne sur la justice transitionnelle, c'est qu'il n'a pas tellement réussi à faire avancer sur ce sujet-là, alors qu'il avait fait campagne là-dessus et que même ses adversaires le respectaient sur ce sujet. Donc les gens ont eu une frustration énorme sur cette question de justice transitionnelle. Je pense que ça a eu beaucoup d'effet de décourager les gens, et notamment les jeunes, parce qu'on... C'est pour ça que je dis tout changer pour que tout reste pareil. On revoit d'ailleurs les figures de l'ancien régime petit à petit revenir aujourd'hui, y compris les plus proches conseillers de Ben Ali, hier, étaient à Carthage. Donc ça, c'est... Et il y a eu évidemment un jeu de séduction des milieux d'affaires avec les milieux politiques. Donc ce que les partis politiques ont pensé, plutôt que de changer le système, mettons-nous dans les anciens habits du RCD, essayons de profiter de l'argent des hommes d'affaires. Certains disent qu'il y a eu même des gens à qui on a demandé de l'argent pour ne pas les punir, ça j'ai pas de preuves, mais il y a eu beaucoup de questions là-dessus. L'autre problème fondamental, c'est qu'il n'y a pas eu de... Mais ça c'était un peu normal, il n'y a pas eu de vision claire, parce que les gens n'étaient pas préparés, donc comme ça a été dit par mes camarades. Et ce qui est assez choquant, c'est qu'on n'a pas eu de déclaration de politique économique d'aucun des premiers ministres qui a été, comme on le voit dans toutes les démocraties. On n'a eu aucune. Le seul qui s'y est tenté, c'est le technocrate Mahdi Jama, mais ce n'est pas une vraie déclaration de politique. Il nous a fait un discours à la François Fillon quand il avait dit « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Donc il avait dit ça, il avait dit « La Tunisie a de gros problèmes ». Enfin, il a insisté sur toutes les difficultés, mais il n'a pas dit comment il allait s'en sortir, parce que je pense qu'il ne savait pas. Donc il a évité de faire comme... un ministre de l'Emploi d'un gouvernement précédent qui a dit « je vais créer 400 000 emplois en quelques mois ». Évidemment, on n'a rien vu. Bon, autre chose où on n'a vu aucun changement, c'est sur la question du népotisme. Par exemple, on a les banques publiques qui sont l'un des principaux outils pendant longtemps du népotisme. Ces banques publiques, elles ont un déficit abyssal, donc la plus grosse par exemple a fait 750 millions de dinars l'année dernière de déficit, qui est l'argent qui permet à beaucoup d'hommes d'affaires d'avoir financé leurs affaires juteuses. Ce déficit est payé par les contribuables. Donc je comprends que certains n'ont pas très envie de payer l'impôt parce que
Et en plus, il y a des partenaires privés dans ces banques, mais eux, ils payent pas leur part des pertes. Donc c'est le contribuable qui paye les pertes. Donc ce qu'on appelle réforme du système bancaire en Tunisie, en général, c'est payer chaque fois pour les pertes qui ont été occasionnées par les gains des autres. Ça, c'est un peu un constat. Alors, quelles sont les causes profondes, d'après moi ? Il y a des questions d'intérêt et il y a des questions d'idées. C'est à mon avis les deux, c'est une espèce de diptyque entre les questions d'intérêt et d'idées. Les questions d'intérêt sont évidentes, donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à perdre des réformes. Même des choses très simples, par exemple le ministre des Finances actuel essaye de faire beaucoup sur la question de récolter plus d'impôts. Donc il s'attaque aux médecins, il s'attaque aux avocats, il s'attaque aux cafetiers. Mais évidemment, chaque corporation ne veut pas payer, parce qu'ils vont dire « mais pourquoi moi, pourquoi pas les autres ?» Donc beaucoup de gens vont être touchés. Donc ça, c'est le premier parti. Les hôteliers aussi, donc on leur a dit, il y en a plein qui vivent avec l'argent de l'État, qui sont très endettés et qui ne payent pas leurs fournisseurs. On leur a dit, on va essayer de trouver des solutions avec ce qu'on appelle techniquement une asset management company. C'est une espèce de bad bank où on rachète donc les hôtels en grande difficulté et pour les revendre et payer leurs dettes. Évidemment, il y a eu tout de suite un blocage très fort et on n'a pas avancé du tout là-dessus parce que les intérêts, évidemment, de ces gens sont mis en... Donc il y a ce problème d'intérêt. Mais il n'y a pas qu'un problème d'intérêt. Je pense que Aziz Krishnan, avec son histoire de logiciel, il a touché droit au but. Je pense qu'on fait un diagnostic erroné des problèmes économiques. On a d'une part les antilibéraux de base, donc qui reprennent souvent le discours de l'extrême gauche française ou de certains de l'extrême gauche latino-américaine telle qu'elle. Donc ils sont sur des positions très conservatrices, en fait, on ne touche à rien. Et on a de l'autre côté des libéraux, des ultralibéraux, qui reprennent tel quel le discours des organisations internationales, qui disent qu'on n'est pas allé assez loin dans la libéralisation. Donc pour certains, le problème vient de la libéralisation. Pour les autres, le problème vient du fait qu'on n'est pas allé assez loin dans la libéralisation. Et le problème, c'est qu'on est dans un pays qui n'a pas une culture économique très développée. D'abord parce que la dictature... pendant longtemps, elle a donné l'économie aux technocrates, donc ce n'était pas une affaire politique, alors qu'on sait très bien que l'économie, c'est une affaire politique d'abord, et c'est des choix politiques. Et ensuite, parce que, je vais le dire ici sans aucune difficulté, l'économie est une discipline secondaire en Tunisie, comme en France, et comme dans les pays arabes. Donc ce n'est pas très noble. C'est la littérature, c'est noble, le droit, l'économie, c'est une question de petites gens. Bourguiba, par exemple, ne s'y intéressait pas du tout. Il déléguait ça à ses premiers ministres, dont certains, d'ailleurs, comme Hedi Nuera ou d'autres, étaient des personnages importants. On a eu des grands ministres de l'économie aussi, mais l'économie, c'est une discipline secondaire. Et aujourd'hui, le peuple commence à s'intéresser à l'économie. Vous prenez un taxi en Tunisie, il va vous parler du budget dans le moindre détail, donc les gens connaissent beaucoup mieux l'économie. Mais malheureusement, on a des médias qui ont créé des économistes maison. Donc il y a deux ou trois noms qui circulent et qui passent leur vie à raconter ce qu'on veut entendre. Alors ils ont tapé beaucoup plus fort quand c'était la Troïka, parce que globalement, ils sont plutôt de l'autre côté de ce qui était qualifié de moderniste. Mais bon, voilà. Donc on commence à avoir un débat économique quand même, même s'il n'y a pas beaucoup de changements. Pourquoi il n'y a pas de changements ? Parce qu'aujourd'hui, les élites, d'une part, mais aussi l'UTICA ne veut pas le changement, l'UGTT ne veut pas le changement, et l'administration ne veut pas le changement. Donc finalement, qu'est-ce qui reste ? Il reste les chômeurs, les pauvres, mais eux, personne ne les écoute que quand ils sortent dans la rue ou qu'ils font tout exploser, mais sinon, on ne les écoute pas. Donc aujourd'hui, il y a un consensus anti-changement qui est malheureusement au pouvoir. Donc ce n'est pas seulement le gouvernement, j'ai l'impression que c'est au-delà du gouvernement. Et qui a gagné finalement de cette révolution ? Tous, on a gagné par la question de liberté d'expression et de démocratie. Mais au niveau économique, qui a gagné finalement au niveau économique ? Mon impression, c'est que ceux qui ont gagné, c'est les hommes d'affaires qui étaient en concurrence avec les Ben Ali et sa famille, en fait. Parce qu'il n'y a plus cette pression de la famille de Ben Ali pour les embêter. Et en plus, certains ont même pu racheter des biens qui ont été confisqués aux Ben Ali et revendus. Donc finalement, c'est toujours la bourgeoisie au pouvoir qui gagne dans les révolutions, comme en France. Peut-être un point qui me paraît important, parce que certains de mes collègues ont pris du temps, donc je vais peut-être essayer de ne pas trop... C'est le modèle de l'économie rentière. Je pense que beaucoup de gens ici doivent connaître Georges Korm. Donc, moi, je suis un disciple de Georges Korm, qui est un ami du cercle des économistes arabes et que j'apprécie beaucoup, et qui insiste sur l'économie de rente. Dans le monde arabe, c'est vraiment notre problème. Alors, quand on pense rente, on pense souvent au pétrole, au gaz...
Nous, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, mais on a d'autres formes de rentes, donc qui sont, par exemple, aujourd'hui, les télécoms, par exemple, c'est une rente. Donc, les entreprises de télécoms étaient d'ailleurs, les deux nouvelles étaient aux mains des deux familles. La grande distribution, c'est une rente, c'est pareil. Donc, les deux grosses entreprises, qui sont des entreprises françaises, mais avec des associés de la famille du président. Donc, tous ces secteurs de rente, en fait, empêchent la construction, le bâtiment, tous ces secteurs de rente empêchent l'investissement productif, l'investissement innovant. C'est-à-dire, finalement, nous, en tant qu'économistes, on dit que ces gens-là sont rationnels. Pourquoi ils vont prendre des risques alors qu'ils peuvent gagner de l'argent facilement en investissant tout simplement dans la politique? Donc, les hommes d'affaires, même ceux qui étaient au début innovants et qui ont créé des entreprises magnifiques, qui ont grandi, qui sont devenues de belles multinationales, qui auraient pu conquérir le monde, ou au moins l'Afrique, finalement ont arrêté et ont commencé à faire de l'immobilier, parce que c'est plus simple de faire de l'immobilier, c'est moins risqué, il suffit d'avoir un patronage politique. Et le système bancaire tunisien, notamment les banques publiques, sont au cœur de ce système, donc les banques financent. Donc les grands groupes n'ont pas tellement de logique industrielle, des fois c'est simplement, puisqu'ils ont accès au crédit, ils vont racheter tout ce qui passe par là, et donc vous allez trouver des groupes qui sont dans des domaines qui n'ont strictement rien à voir, aucune logique industrielle, juste que c'est les mêmes qui ont accès à ces capitaux que nous, citoyens, on doit rembourser après les pertes de ces banques. Dernier point, peut-être, différence entre le système Ben Ali et le système aujourd'hui. Donc, sous Ben Ali, l'État était clientéliste avec certaines formes de populisme, mais réalisait des réformes avec des technocrates. Alors, pourquoi des réformes? Notamment pour attirer l'investissement étranger, pour être un bon sous-traitant de l'Europe, pour plaire aux organisations internationales. Donc, il y avait des réformes technocratiques qui se passaient. D'ailleurs, on réalisait 4-5% de croissance. C'était pas par hasard. Mais aussi parce que certaines des réformes étaient dans l'intérêt des familles. Donc, par exemple, les institutions internationales ont proposé à la Tunisie de créer une troisième compagnie de télécom. La Tunisie a dit oui, mais en fait, c'est le gendre de Ben Ali qui l'a récupéré. Donc, il y avait des réformes technocratiques, mais qui profitaient directement au système. Donc, c'était un système, parce que ce n'est pas un pays pétrolier, on ne peut pas extraire de la rente directement ou des diamants. Donc, il fallait que l'économie tourne pour que les gens au pouvoir en profitent. Donc, il y avait des réformes. Aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est plus complexe. Le clientélisme est devenu multiforme. C'est plus seulement la famille ou le parti. Donc le clientélisme, c'est multiforme. Ça peut être des gens proches de l'UGTT, ça peut être proche du pouvoir, ça peut être proche de plein de choses. Et on a moins de réformes pour des raisons. D'abord, l'État est plus faible. Il n'arrive plus à exécuter des projets. Donc même les ministres de bonne volonté, ils vous disent « j'arrive plus à faire des autoroutes parce que il y a des gens qui vont occuper les... » Il y a même des contrebandiers dans le sud, par exemple, qui ne veulent pas qu'il y ait une autoroute parce qu'elle va les déranger pour passer d'un point à l'autre. Donc, il y a des ministres des Transports qui vont arrêter de faire des routes à cause de ça. L'incapacité à régler la question des phosphates de GAFSA, d'ailleurs, est une bonne preuve. Il y avait un ministre actuel, d'ailleurs, du gouvernement, me disait lors d'une présentation que je faisais sur le taux de croissance prévu en Tunisie dans les prochaines années, « Vous êtes pessimiste, monsieur, il y a un an et demi. Nous allons régler très vite phosphate GAFSA et vous verrez, le taux de croissance va revenir à 3-4%. Vous voyez, enfin, ça n'a pas été fait, donc, parce qu'on ne sait pas comment régler ça, c'est pas simple. C'est pas une baguette magique, donc c'est compliqué. Et ce qui est nouveau pour l'administration, c'est que tout le monde a peur de prendre des risques aujourd'hui. Donc, vous parlez avec des gens, c'est pas simplement le manque de volonté. Il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes volontés, mais qui n'y arrivent pas. Tout le monde a peur, parce qu'il y a aussi une ambiance un peu délétère, des fois. Vous prenez une décision, vous risquez de vous faire attaquer dans les médias, on va dire que vous êtes vendu, que vous êtes pour ci, pour ça. Donc les gens ont peur, et certains ministres ont même peur de leurs directeurs généraux, des fois. Il y a des directeurs généraux dans certains ministères, notamment aux finances, par exemple, qui sont extrêmement puissants, qui sont là depuis 20 ans, et disent au ministre des Finances, toi tu es là pour quelques mois, on sait que tu vas partir. Ils ne parlent pas comme ça, ils parlent plus poliment, mais ils font comprendre que c'est eux qui ont le pouvoir. Donc c'est devenu vraiment complexe, alors qu'avant, c'était un directeur général tremblait devant son ministre, parce qu'il pouvait être révoqué dans la seconde. Donc la politique est plus difficile à faire, aujourd'hui en Tunisie. Alors, dernier point, donc, si on pouvait sortir de cet état qu'on a eu depuis longtemps, d'état pompier ou d'état plombier, et aller vers un état entrepreneurial. Donc on rêve d'un état entrepreneurial comme on a pu en voir en Asie du Sud-Est, donc des pays comme la Corée ou la Malaisie étaient au même niveau de développement que la Tunisie ou au Maroc dans les années 70. Maintenant, il y a un écart énorme parce que ces pays ont encouragé l'entreprise innovante à prendre des risques, à conquérir des marchés, et non pas donc, à s'enfermer dans l'économie de rente et dans le gain facile. Donc il faut remettre complètement à plat le système de subventions et incitations. Il y a toutes sortes d'aides. Des fois, vous voyez par exemple des médecins ou des avocats acheter des exploitations agricoles avec des aides publiques. Donc c'est des choses incroyables.
Et donc la question finalement que je me pose et que je pose, qui a plusieurs milliards de dinars si on veut, c'est comment inciter les élites à suivre ce type de modèle vertueux et ne pas se focaliser sur les activités entières. Donc la question reste ouverte. Merci. Bien, merci beaucoup pour ces exposés fort intéressants et très divers et qui balayent bien, je crois, le champ des problématiques actuelles. Ma problématique pour l'instant, c'est qu'on a dépassé le temps. Alors, je m'autorise à prendre 10 minutes de plus. J'espère que Mathie ne va pas me faire les gros yeux. Et je vous propose de poser quelques questions et au moins une question à chaque intervenant. Alors, si au bout de 5 minutes, on a fini, on fera un deuxième tour, mais commençons par une. Et alors, je donne la parole à monsieur. Il y a beaucoup de questions là, si vous voulez bien, mademoiselle. Vous vous présentez, vous dites bien à quelle personne, comme ça on gagne du temps, et le plus vite possible, c'est mieux. Je vous remercie tout d'abord. Moi, je suis aussi un ancien étudiant de l'Université de Paris 1. J'ai fait un cursus en histoire il y a longtemps, pendant qu'il y avait des troubles en Algérie, en 1990, avec le FIS, etc. Donc, ma question, donc, vous avez critiqué l'ancien système de Ben Ali, donc ça c'est traditionnel. On critique le nouveau système parce qu'on n'est pas satisfait, et peut-être même que le nouveau système, c'est le même système que l'ancien, puisque tous les hommes d'affaires sont de retour en Tunisie. Comme vous l'avez dit, l'économiste, ils rachètent eux-mêmes les parts de marché, etc., parce que c'est eux qui connaissent la finance, c'est eux qui connaissent le secteur financier international, on leur fait confiance. Bon, je vais être quand même bref. Il y a un point essentiel qui me semble que vous n'avez pas abordé, que tous les intellectuels arabes évitent. On aborde le thème de la démocratie, des minorités, de l'apostasie, etc., mais on n'aborde pas le thème de l'alternance politique au pouvoir. On n'accepte pas l'alternance politique. On n'accepte pas les idées de l'adversaire. Alors qu'en Occident, on voit qu'il y a une démocratie qui accepte plus ou moins l'alternance de l'autre, avec des mouvements d'extrême gauche, etc. Mais il y a une alternance. Dans nos pays à nous, il y a eu des assassinats en Tunisie tout à fait condamnables. Les deux assassinats, toute la presse en a parlé. Et du coup, on a fait une pression de la rue sur un parti politique pour qu'il abandonne son programme, pour qu'il rentre dans un cadre plus ou moins laïque, etc. Que ce soit en Égypte aussi, le président Sisi n'accepte pas l'alternance politique avec l'ancien président qui est actuellement en prison, qui a plus ou moins accepté le jeu démocratique. Donc le problème de l'alternance, voilà c'est ma une question à M. Krishen. Ou deuxième, bien à la politologue. Oui, attendez, il y avait monsieur avant, pardon. Derrière, monsieur, vous ne vouliez pas poser une question? Ah bon, pardon. D'accord. Moi, j'ai une petite question, petite. Un peu politico-économique, sur le clivage régionaliste en Tunisie. On a beaucoup plus parlé sur le clivage moderniste islamiste qui généralement n'embraye pas sur une réalité palpable. En quoi le critère régionaliste entre le nord et le sud en Tunisie reflète l'échec d'un certain modèle économique qui date des années, je pense, des années 70, un modèle qui se base sur le tourisme, sur les relations avec l'Union européenne et sur les industries offshore. Voilà, merci. D'accord, très clair. Donc ça, c'est pour l'économiste. Et pour mes collègues, est-ce qu'il y a une ou deux questions où on répond déjà à ces deux? Alors, allons-y. Vas-y. Il y a une question là-bas? Ah, très bien. Oui, toujours là. En revenant sur l'histoire régionaliste, on a l'impression, qu'est-ce qui est arabe dans la révolution tunisienne, dans deux sens? La première, M. Krishen en a parlé un peu, c'est l'influence de ce qui s'est passé en Tunisie sur l'Égypte et vice-versa. Donc vous l'avez montré pour l'histoire du coup d'État, je dirais, égyptien et son influence sur une partie de la transition. Je dirais, la suite, c'est quoi? Le risque, vu que l'ensemble de certains pays arabes sont dans une guerre et les autres, les pays du Golfe, sont en train de, au moins, de jouer en Libye d'une manière très importante et peut-être en Tunisie. Comment ces liens extérieurs influencent l'histoire actuelle de la Tunisie? Est-ce qu'on a écrit dessus?
les interventions au niveau social en Tunisie, notamment au niveau des partis politiques. On a parlé très très peu du financement des partis politiques eux-mêmes. Et puis, je dirais, ce que les gens imaginent sur les investissements qui pourraient venir sauver la Tunisie. Je dis ça pour rigoler à la fin. Merci, monsieur. Et donc, une dernière question, là devant. Madame. Bonsoir. Moi, je veux juste demander, nous expliquer un petit peu ce qui se passe en Tunisie à propos du terrorisme. Et en plus... Vous avez dit à propos du terrorisme, c'est ça ? Ouais. Et en plus, à propos de ce qui se dit dans le chez le peuple tunisien, l'éloge de l'ancien régime. Parce que tout ça, tu es pour toi. Et autre chose, donc, on nous dit tout le temps que la Tunisie est un exemple de démocratie, l'exemple de... Parlez plus près, s'il vous plaît. L'exemple de la révolution, alors que sur le plan économique, sur le plan structural ou autre infrastructure, ce n'est pas le cas. Très bien. Alors, allons-y. Qui commence ? Tu y vas ? En fait, toutes les questions se recoupent. En Tunisie, on a aujourd'hui un système politique qui garantit les libertés. Un système politique qui garantit la paix civile. Donc un système politique inclusif. Ce système-là n'a pas d'avenir possible si, d'abord, on n'a pas un système économique qui soit lui aussi inclusif. Le système économique tunisien est un système bâti sur l'exclusion. On entend beaucoup parler de capitalisme tunisien. En Tunisie, nous ne sommes pas dans le capitalisme. La révolution économique à faire, c'est une révolution de type capitaliste. Les libéraux en Tunisie ne sont pas des libéraux, ne sont pas des... Le système économique en Tunisie, c'est un système clientéliste, anti-économique. C'est un groupe qui est au pouvoir et qui manipule tous les ressorts de l'économie pour consolider son pouvoir. Ce système-là, fondamentalement, n'a pas changé. Non seulement il n'a pas changé, mais il est encore plus puissant aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Parce que l'État, aujourd'hui, est plus faible que l'État d'il y a 5 ans. Donc, on a un système extrêmement bâti sur l'exclusion des groupes sociaux, des régions de l'intérieur, pas simplement du Sud. Toutes les régions frontalières avec l'Algérie sont littéralement exclu du modèle de développement tunisien. Donc, le problème, à côté de la révolution politique qui amène la démocratie, il faut une révolution économique qui soit à même d'intégrer le plus grand nombre dans un même système économique. Un exemple de dysfonctionnement, l'économie parallèle. L'économie parallèle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un bout d'économie qui est assujetti au droit commun et l'autre qui est ailleurs. Ce n'est pas ça, le système économique capitaliste moderne. Donc on est très loin. Et parler de la classe dirigeante en disant les bourgeois, c'est un contresens absolu. Ils n'ont absolument rien de bourgeois. Ils n'ont absolument rien de l'esprit de la bourgeoisie entreprenante. Bien. Donc, si la démocratisation politique ne s'accompagne pas d'une démocratisation économique et donc
S'il n'y a pas de développement, on est mal. Et on est d'autant plus mal qu'on est très mal entouré. Évidemment. La Tunisie n'est pas une oasis. Là, on s'en sort jusqu'à présent parce que on ne représente pas d'enjeux stratégiques majeurs pour les grandes puissances. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, comme la Libye. On n'a pas de frontière avec Israël, comme la Syrie ou l'Égypte. On n'est pas pris dans la guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, comme le Yémen ou comme le Bahreïn, dont l'insurrection a été réprimée par l'armée de l'Arabie Saoudite et des Émirats, tout de suite après son déclenchement. Donc, on n'est pas l'objet de pressions étrangères très fortes. Mais on est dans une région qui, aujourd'hui, est en pleine convulsion. Si on n'arrive pas à régler nos problèmes, il est absolument nos problèmes et essentiellement nos problèmes économiques. Il est absolument évident qu'on va finir par être pris dans ce tourbillon. Je vois pas comment on s'en sortirait autrement. Donc la situation. Alors, est-ce que ça veut dire? Oui. La question des régions. Donc. Bon, à l'origine, il y a évidemment un écart entre régions. Il y a des régions de l'intérieur qui sont plus défavorisées que les régions côtières, etc. Donc, mais ça a évidemment énormément été aggravé par la politique. Et la meilleure preuve, c'est les terres du Nord-Ouest fertiles. Par exemple, une région comme Béja, où on a les meilleures terres agricoles tunisiennes, bah, là, vous trouvez de la pauvreté, vous trouvez de la misère, vous trouvez une absence de développement, alors que c'est à peu près le grenier à blé de la Tunisie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de gens dans la politique qui sont de là, en fait. Et donc, pour arriver à faire de l'inclusion, il faut simplement des gens qui représentent leur région. Je crois que ça, c'est partout dans les pays du monde. Si vous n'avez pas des gens qui représentent eux-mêmes leur région, n'attendez pas quelqu'un de la capitale ou de la région frontale. Enfin, donc, il faut que les gens se prennent en main. Et ce n'est pas seulement la décentralisation. Il faut qu'il y ait aussi, au niveau du pouvoir politique, des gens qui participent de ces régions. Donc ça me paraît extrêmement important. C'est clair qu'il faut innover et pas rester dans ce modèle de sous-traitance basé sur amener les touristes les moins chers et ce qu'on peut relever aussi, c'est qu'après l'effondrement des pays de l'Europe de l'Est communiste, il y avait une stratégie de développement qu'on peut critiquer de l'Union européenne, des instances internationales. Là, on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc c'est vraiment le bateau vogue seul. C'est un problème de plus. Alors, la popularité de Ben Ali. Et le terrorisme. Je vais commencer par la popularité de Ben Ali. Je pense que c'est un travail médiatique qui est organisé parce qu'il y a cette ambiance délétère dont on parle. Je ne pense pas qu'il y ait une... Bien sûr qu'il y a un retour, il y a des gens qui s'étaient mieux sous Ben Ali parce qu'il y a ce sentiment d'insécurité. Mais bon, je pense que ça fait partie un peu de ce qu'on peut appeler la complexification des choses, et les gens le disent. Je ne pense pas qu'il y ait une popularité de Ben Ali. Je pense au contraire qu'il y a tellement de choses superficielles qui ont été faites. On est tellement dans les corses politiciennes que maintenant, que l'ancien régime qui n'est jamais parti se voit plus à la télé. Tout simplement, je veux dire, c'est qu'il n'est pas complètement parti, il n'a pas rendu des comptes. Et maintenant, il avance un petit peu plus, on le voit plus à la télé. Et cette justice transitionnelle, qui est espèce d'emprunt qu'on a fait aux expériences, soi-disant, d'Afrique du Sud et tout, a été politisée dès le départ, complètement viciée dès le départ, utilisée par les islamistes dès le départ pour eux, d'ailleurs, avec un travail parallèle de récompenses, d'intégration dans l'administration et tout. Ça a été une sorte de comédie. Comme ça, un peu politique, parce que ça fait chic d'avoir une justice transitionnelle quand on a une transition. Voilà, on ressemble à l'Afrique du Sud. Peut-être qu'on aura des Mandela. Alors, il y a des personnes qui se sont prétendues des Mandela. Je veux dire, voilà, il y a une sorte d'utilisation un peu légère, un peu cynique, voilà, de cette révolution. Hein, il y a un usage cynique de cette révolution. Il faut le dire. C'est assez triste en soi. Mais je pense aussi que là, c'est aussi une farce.
qui peut se retourner contre ceux qui sont en train de la faire. Il faut espérer, ça s'est bien retourné contre Ben Ali. Voilà, voilà. Mais encore une fois, je pense que cette affaire-là, de justice transitionnelle, de réconciliation nationale qui se fait, ne se fait pas, parce qu'il y a des choses en dessous des tables et tout, c'est parce qu'il y a l'affairisme qui n'est jamais complètement parti. Ils se sont juste un peu cachés, les plus sont partis, et puis maintenant, ils reviennent avec une autre organisation, une autre manière de faire. Je crois que l'ancien régime n'est jamais parti en Tunisie. Il a eu peur, un peu. Voilà. Et je ne sais pas si je peux répondre à toutes les questions sur le terrorisme. Je pense que le terrorisme était... je pense qu'il y avait d'abord une latence, il y a tous ces problèmes sociaux. Je pense aussi qu'il y a eu une jeunesse aussi complètement désespérée, et ça c'est très important. Mais je pense aussi qu'il y a eu une action volontaire, dirigée. On a voulu aussi envoyer des jeunes Tunisiens sur ces terrains-là. C'est une politique qui a été faite et qui a été encouragée par l'administration, par le ministère de l'Intérieur et par l'armée, des responsables politiques au plus haut niveau. Ça s'est fait. Voilà. Et c'est des jeunes qui ont payé ça. Et on a payé des familles. Des familles entières en ont vécu. Le terrorisme permet à des familles entières de vivre en Tunisie. C'est ça le problème. Pour s'en débarrasser ? À la fois pour s'en débarrasser et puis aussi pour faire de la politique ailleurs. À faire de la politique transnationale. Bien, il me reste à vous remercier, à vous féliciter et à souhaiter bon avenir à la Tunisie.